tout d'abord les actions mécaniques qui sont dites de contact, où il y a un contact entre les deux corps, et d'autre part les actions mécaniques à distance, où il n'y a pas de contact entre les deux corps. Voici donc deux exemples d'actions mécaniques. Le mouvement de la Lune autour de la Terre, c'est bien une action mécanique à distance, il n'y a pas de contact entre la Lune et la Terre. Et à droite, l'action mécanique exercée par le vent sur la voile. Le vent s'engouffre dans la voile, donc il y a bien un contact entre l'air et la voile.